Maintenant, je cède la parole à Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Mme la Présidente. Je souligne aujourd'hui les 50 ans d'existence du Club Optimiste Maisonneuve. Fondé en 1964, avec comme principe le désir d'agir pour la jeunesse, le Club Optimiste Maisonneuve est en 2014 un exemple remarquable de vitalité et de dynamisme. Ce sont les réussites d'une organisation qui a marqué Hochelaga-Maisonneuve que je nous invite à souligner. Le Club Optimiste de chez nous est audacieux, entreprenant, et c'est ainsi qu'il s'est illustré comme un acteur important du développement des infrastructures jeunesse d'Hochelaga-Maisonneuve. Les idéaux élevés du credo optimiste, la sérénité d'esprit, la santé, le bonheur, la confiance en soi, le travail dans la bienveillance, la foi dans l'avenir, la joie, l'amélioration de soi-même, la magnanimité, le courage et la paix, le Club Optimiste Maisonneuve et ses membres en sont de fiers porte-étendards. Je salue également le travail incomparable de M. Martial Frenette, président en 1968-69, qui honore encore aujourd'hui le Club de son active présence. Le Club Optimiste Maisonneuve ressemble à son quartier, vivant courageux pour l'entraide et tourné vers l'avenir. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Mme la députée.